Dans cette tour de logements sociaux dans le centre de Bègles, 15 appartements sont squattés par des familles installées ici par un réseau mafieux albanais qui en garde les entrées. Au mois de février, un incendie s'est déclaré dans un bidonville occupé par plus de 200 personnes, toujours dans la commune. La Gironde est le 4e département le plus squatté de France, des squats qui se concentrent pour plus d'un quart à Bègles. Le maire tire la sonnette d'alarme, la commune ne peut faire face seule. Ce que nous demandons ici fortement, fermement, c'est que l'État, qui a la compétence, Madame la préfète, organise une conférence des maires avec les 28 maires de l'agglomération, mais aussi le président de la métropole, le président du département et le président de la région pour résorber ces bidonvilles à ciel ouvert qui sont intolérables, inacceptables dans nos pays. La solution doit être collective, puisqu'il y a à peu près 200 personnes qui vivent en squat sur l'agglomération bordelaise. Il y a 28 communes, donc chacun doit prendre sa part. C'est une solution d'agglomération qu'il faut trouver. Selon nos informations, le président de la métropole serait favorable à la tenue de cette conférence des maires. Clément Puech-Rossignol demande aussi qu'un sous-préfet soit nommé pour traiter de l'habitat d'urgence, comme c'est le cas en Loire-Atlantique.